Bonjour, aujourd'hui un petit peu de Super Cassette Vision. Une machine de 1984, de époque, c'est le constructeur. Malheureusement ou pas éclipsée par la Famicom, la NES chez nous, et donc assez méconnue. Pour ma part, j'ai eu la chance d'y jouer quand j'étais petit chez mes cousins qui l'avaient. J'en gardais de très bons souvenirs. Bon, il est vrai que pas mal d'années plus tard, ayant réacquéri le matériel, bon, je relativise un petit peu. Ça a quand même vieilli. Epoch est un fabricant de jouets depuis la fin des années 50. Dans les années 70, ils sont passés aussi aux jouets électroniques divers, électriques puis électroniques. Et aux consoles de jeux, les LCD et quelques consoles de jeux, donc quelques-unes. Donc en 1980, ils ont sorti la Cassette Vision, qui a été en son temps la machine de jeu la plus vendue, hein, 80, on parle du Japon. Ils ont fait une dérivée en 82, peut-être, je ne sais plus la date. Une version junior, hein, qui est la même machine. Champ, en 84, la Super Cassette Vision. Typé années 70, enfin début 80, on va dire, hein, avec le pad numérique. La forme en elle-même, ça fait un peu ancien pour 84. Sachant qu'en 83, bon, on a l'SG-1000 mais qui casse pas des briques, mais on a la Famicom qui là, va tout simplement réinventer le jeu vidéo. Cette machine est un peu atypique, elle n'a pas grand-chose pour elle. On pourrait dire qu'elle a un rendu de SG-1000, presque ColecoVision, mais il lui manque un puissance. Son processeur est lent, hein, je crois qu'il fait moins d'1 MHz. Elle a une palette de 16 couleurs qui est pas géniale. On le voit là, donc là on a un BIOS animé. On voit les différentes couleurs de fond qui passent. Très peu de RAM. Je crois que c'était quelque chose d'équivalent à la VCS 2600 ou à peine mieux, hein. Les couleurs de sprite sont codées sur un bit, ça c'est pas génial, ça veut dire qu'on ne pourra avoir que deux couleurs de sprite. Là, on voit les sprites. Un sprite pour avoir deux couleurs constitué de deux couleurs. Donc si on veut plus de couleurs ou un sprite un peu plus joli, on va dire, coloré, il faudra superposer plusieurs sprites au même endroit. Pas de scrolling hardware, hein, ça arrive en partie avec l'Intellivision de 79 et complètement hardware avec la Famicom. Donc, sachant qu'elle sort un an après la Famicom et que la Famicom à partir de 84 commence à utiliser ses fonctions hardware de scrolling, ah, ça fait vieillot, hein. On sent une machine sur la génération de fin des années 70, début 80. Hein. Comme la ColecoVision ou la SG-1000, ce genre de machine. C'est pour ça qu'elle se fera quand même assez rapidement éclipser, parce qu'elle ne sortira pas du lot. Le son est mono, bon, et il y a une résolution assez faible. Et je parlais de son architecture qui est un petit peu hors norme, car à l'instar, entre guillemets, de la Neo Geo, elle est presque complètement basée sur les sprites. À part un background coloré, il n'y a rien d'autre que des sprites à afficher. Donc ils ont misé l'architecture là-dessus. Donc il y a une étude de Ypsilandre dans son étude sur les sprites, quelque chose qui va assez loin dans la compréhension du sujet entre les machines. Il a fait un énorme tableau comparatif de capacité des machines au niveau de l'affichage des sprites, très intéressant. Donc il annonce, j'ai pu le
corroboré sur Internet que cette machine est capable d'afficher jusqu'à 128 sprites, ce qui est énorme, et avec un taux de remplissage de l'écran des sprites jusqu'à 200%. Donc, comme je disais, on peut superposer plusieurs sprites pour avoir des couleurs, plus de sprites colorés. Quoi dire d'autre? Donc oui, tout sera composé de sprites. Tous les décors, la route, les arbres, les sprites en eux-mêmes. Et donc la difficulté sera d'animer tout ça comme sur une Neo Geo, hein, pour que ça fasse l'illusion de ce que peuvent faire les autres machines. On peut regarder ce que de proche ça serait mieux. Décrire un petit peu la machine. Donc, on pourrait voir le design, le port cartouche, hein, tout à fait normal, on-off, le reset, une pause, un clavier numérique très typique de cette génération de consoles de tout début des années 80. Très amusant, le clapet. Alors, il me manque le petit bouton hein, pour ouvrir le clapet. Le clapet qui cache les manettes. Donc c'est assez propre, sauf pour au moment de les ranger, où là il faut être très fort en Tetris. C'est très très juste. Mais c'est amusant, ce rangement intégré. C'est propre. Ce petit volet semi-transparent. Sur le côté, pas grand-chose. L'autre côté, la deuxième particularité de cette machine. On peut voir ici à peu près. Voilà. L'alimentation 9 volts. Très peu de filtrage en interne, hein, donc si vous utilisez une alimentation asiatique, peu onéreuse, vous aurez des parasites assez horribles à l'écran. Je recommande une alimentation 9 volts filtrée. Moi, j'utilise des alimentations de pédales d'effet utilisées dans le secteur de la musique. Hein. Je ne donnerai pas de marque, ça se trouve sur les sites de revente. Hein. Le problème, c'est plus cher, mais vous aurez une qualité d'alimentation parfaite. La sortie RF, radiofréquence, hein, pour simuler un signal UHF ou VHF, tout à fait typique de cette génération de consoles. Et une sortie RGB. Donc là, c'est peut-être bien la seule console que je connaisse de cette époque qui a une sortie RGB. Je me trompe sûrement, mais là, ça m'a... c'est choquant dans le bon sens de savoir qu'on peut avoir immédiatement une image de très bonne qualité. Donc, je me suis construit un câble RGB. C'est un type C, celui-là. Il y a deux types de DIN, il y a le C et le U dans le type 9 pin. Je crois que celui-là, c'est le C. C'est équivalent à celui de la Neo Geo. Sauf que j'ai voulu modifier un câble Neo Geo tout d'abord. Et les câbles Neo Geo que l'on trouve chez les revendeurs asiatiques, il leur manque, il y a une pin qui n'est pas câblée. Je ne sais plus si c'est la 1 ou la 9. Une des deux à droite et à gauche, en haut à gauche et à droite, parce qu'elle n'est pas utilisée sur Neo Geo, donc ils ne l'ont pas câblée. Alors que sur la Super Cassette Vision, qui a un brochage un peu spécifique, hein, il n'est pas. On ne va pas dire qu'il y a une norme sur ce branchage, mais on retrouve un peu toujours le même entre la Neo Geo, la Mega Drive, etc. Là, non, c'est différent, c'est câblé différemment. Et donc j'ai un peu lutté, surtout que il me manquait un fil donc sur la broche. Et très embêtant sur cette machine, tant qu'il manque soit une des trois composantes RGB ou la synchro, on n'a pas d'image. On n'a pas même pas un petit bout de quelque chose pour dire bon, on approche, on va tester une pin différente pour voir si ça correspond. Donc jusqu'à ce que vous ayez un brochage parfait, vous n'avez rien à l'écran. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais bon, cette machine sort du RGB. Donc on peut le voir là, durant le BIOS. Mettre déjà en 4 tiers. Un peu plus correct. Et donc, si je passe en acquisition, on verra l'image. Somme toute assez propre. Hein. Donc, sur l'écran de ma télé, c'est vraiment très très propre. Après, le côté d'acquisition, des parasites, etc. Mais rien à voir avec du RF ou du composite. Il n'y a pas d'équivoque.
Donc, je vais parler de l'alimentation, de la sortie RGB. Et puis, voilà, je vais parler du contexte de la machine qui est sortie tout simplement trop tard, hein. La Famicom l'enterre complètement. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, étonnant de la part d'Epoch, bon, ils ont pas investi suffisamment, je ne sais pas. Et surtout, après, ben, ils ont arrêté, alors que c'est une entreprise assez grosse et c'était pas leur première console. Par la suite, ils ont arrêté les consoles de ce type. Ils ont développé ils ont développé quelques jeux vidéo, hein, car ils avaient certaines licences comme Doraemon. Donc sur PlayStation, Saturn, Nintendo 64, ils ont sorti des LCD, ça, ok, des Game & Watch, hein, des équivalents de Game & Watch LCD. Et quelque chose que certains connaîtront, les barcode battlers, des CD ou qui scannent les codes barres et vous créez des personnages avec une attaque défense et vous faites des petits combats comme ça. Mais sinon, principalement, cette société a continué travailler principalement dans le jouet en lui-même. Voilà, bon, on va essayer les jeux. Un petit tour d'horizon des jeux, vite fait. Bon, je les connais plus ou moins, hein. Je connaissais trois ou quatre dans les années 80 quand j'ai joué chez mes cousins. Donc, par exemple, j'avais un très bon souvenir du mineur 2049ER, qui là on verra, bon, il a quand même pris un coup. Un ou deux autres jeux, le Space Invader ou Galaxian, enfin, un peu des repompes de ces jeux-là, qui étaient sympas, et surtout celui qui était fabuleux, c'était le Sky Kid. Que je ne vous montrerai pas parce que je n'ai pas réussi à le retrouver. Il est très dur à trouver et quand il apparaît sur les sites de vente, il part à un prix assez incroyable. Donc, je peux le montrer. Le Sky Kid. Donc, ça, c'était la machine de 1981. La deuxième itération de cette machine. Il y a eu aussi, avant que je vous montre Sky Kid, une version en 1985, Super Cassette Vision, Girl, ou un mot comme ça, dans ce paquet. Donc celle-là est très très rare. Très jolie, somme toute, en rose. Une curiosité. Celle-là, je ne l'ai jamais vue passer. Elle va vraiment être très très rare. Et donc, Sky Kid. Avec la boîte. Très dans l'univers manga, très très jolie cette boîte. Le genre lui-même est un petit jeu d'avion avec des ennemis, des personnages à sauver, des choses à détruire. Voilà. Et il a la particularité, ce jeu, d'être en scrolling qui va vers la gauche. Donc c'est très très rare car habituellement les scrolling vont vers la droite. Il y a eu des études là-dessus, c'était au niveau du cerveau, c'était logique que les scrolling aillent à droite. Donc celui-là va vers la gauche. C'est très rare, c'est très jouable, tout à fait. Voilà, on a fait le tour des quelques images. Et donc Sky Kid, très bon jeu pour l'époque, sur cette machine, que j'ai pas réussi à retrouver, mais par contre j'ai réussi à le trouver sur Famicom, dans une version qui est quand même vachement mieux. Donc je me contente de ça. Alors je disais qu'on allait commencer à essayer des jeux. Alors, pour commencer par non, celui qui vient de tomber. Voilà, celui-là, je n'ai que la cartouche. On va le mettre là, voilà. Le baseball, super baseball. Donc, sur les cartouches sont colorées, ça c'est très sympa. Cette cartouche-là. Les cartouches sont assez petites, c'est mignon. Et elles sont toutes colorées d'une couleur différente. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Sur la cartouche, sur le sticker, on voit les contrôles à quoi ils peuvent servir. On a pour le baseball. Ça va être flou sur cette caméra, mais on voit un petit peu les contrôles, à quoi ils sont assignés dans le jeu. J'ai pas montré la manette, donc je vais ouvrir sur la machine qui est allumée. Si j'arrive à ouvrir ce capot sans le bouton.
toutes mes vidéos, il y a un truc qui bloque à un moment. Voilà. Alors, on va sortir une manette. Je vais mettre. C'est pas évident, comme je disais, c'est un peu du Tetris. On va sortir une manette. Donc, au sujet des manettes, elles sont assez classiques pour l'époque. Hein. Elles restent dans le. On est avant l'ère de la croix de direction, bien que ce soit après une Famicom. Classique, hein, fin des années 70-80, un peu comme sur ColecoVision, hein, télévision. Mis à part que de ce type de contrôleur, c'est celui que je préfère. Hein. Il est pas mal du tout. C'est assez maniable. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Il est entre guillemets agréable à jouer. Parce que bon, c'est jamais génial les joysticks de cette époque. Voilà, on va refermer ça. Je vois le joystick ici. Je voulais parler d'un autre point. Souviens plus. Si le BIOS que l'on est en train de voir, l'animation du BIOS est une démonstration technique, tout simplement, du nombre de sprites affichables. Donc, je crois que j'en avais compté 60 ou 80 là. Donc, on n'est pas encore au niveau des 128 que Upsilon et d'autres nous comptent, mais bon, j'y crois complètement. Donc là, chaque petit ballon a sa couleur et bouge de manière indépendante. Donc là, pour arriver à ce nombre de sprites à l'écran, il faudra attendre la génération 16 bits en arcade et certaines consoles 16 bits. Je crois que la Mega Drive ne le fait pas, la Super Nintendo non plus. Quelque chose d'équivalent avec la Super Graphics qui a deux VPU. Mais donc c'est assez impressionnant. Alors somme toute, ce sont des capacités. Possible, probable, mais il faut voir aussi avoir la puissance nécessaire pour gérer tout ça. Parce que si vous avez des sprites avec des interactions dans le fonctionnement du jeu, des entrées-sorties à gérer, calculer les nouvelles images, etc., avec un pros à moins d'un mégahertz et pas de RAM, etc., c'est pas toujours possible d'avoir ce nombre de sprites à l'écran. Donc c'est un potentiel, après à voir si c'est exploitable selon. Bon, ben, on y va. On va éteindre. Et passer au premier jeu. Donc, je vais montrer le baseball pour commencer. Ah, le baseball, c'est une cartouche verte. Super baseball. Alors, comparé à d'autres machines à cartouche, celle-là, bon, là, ça a fait un clunk, mais sinon, c'est assez doux à rentrer. Et jusqu'à ces derniers jours, ça fonctionnait pas trop mal. Maintenant, là, à réessayer les jeux, j'ai des problèmes de contact, hein, donc le nettoyant de contact et de sortie. Hein, ça a quand même, l'année prochaine, on est en 2023, l'année prochaine, ça aura 40 ans. Donc on va pas se plaindre, ça fonctionne encore. Ok, et puis on va lancer l'acquisition. Alors, s'il démarre. Voilà. Très bien. Donc, le baseball. Alors la sélection des jeux n'est pas la plus aisée, hein. Il faut appuyer sur Enter avec le clavier numérique. Et un peu comme sur les ordinateurs personnels de l'époque, la cassette ou la cartouche, ou ce qu'on veut, la disquette, on choisit avec le pavé numérique le type de jeu, amateur pro c'est facile ou normal ou hard, un joueur ou deux joueurs, donc, un player, voilà. Soit on appuie sur Enter, après soit sur les boutons d'action. Le start, je vais essayer de mettre la manette un peu plus rien du tout. Le fil à son âge. Voilà, fermez bien le capot. Voilà. Donc les points, le tableau des scores. Et c'est parti. Donc visuellement c'est suffisant. Oh bah j'ai déjà raté. Pour un jeu de baseball, c'est suffisant visuellement. Non. Pas bonne ta balle. Hey. Non, elle était out. On est d'accord. On va essayer de taper au moins une balle. Voilà. Et je cours. Voilà, j'arrive sur la première base. Par contre, je peux pas aller sur la deuxième base. Bon, tant pis. Là, il va être en safe. Voilà.
Ok. On continue. Non, non, elle est out cette balle. Strike, c'est pas juste. Voilà. Hop. On voit mes deux joueurs. Ah, j'ai un joueur qui va être éliminé. Zut. Bon, c'est jouable. C'est jouable. Alors, sauf quand il va un peu à droite ou à gauche, enfin, loin de mon batteur, il me met des strikes alors que je peux pas toucher la balle. Pourquoi il me dit strike alors qu'elle est out? C'est vraiment pas sympa. Ça, safe. Bon, je pige pas tout. Peut pas la toucher. Bon, et on change de joueur, de batteur. Voilà, c'est moi qui vais tirer peut-être cette fois. Je suis pas un spécialiste non plus du baseball. Ah voilà, là c'est moi qui tire. Tac. On peut mettre des effets à la balle si on va sur la gauche. Donc il met un strike. La pierre envoyée. Home run. Non, ben voilà, comme ça déjà ça commence bien. Je suis mal barré. Bon, c'est pour un jeu de baseball, c'est suffisant. Je pense pas qu'on ait 1000 fois mieux sur Famicom. C'est pas le genre de jeu le plus nécessiteux non plus en ressources. Donc, super baseball. Mettre ici. On va passer maintenant au super Mahjong. Pas au Mahjong, au super Mahjong. Il veut se lancer. Un petit problème de faux contact. Voilà. Ok. Will Graphic Mahjong. Ok. Appuyez sur Enter. Alors, jeu, timer ou normal. Voilà. Donc, ça soit clair, je ne connais pas du tout les règles du Mahjong. Donc, je vais faire un peu tout au hasard. Pareil, je dirais pour ce type de jeu, c'est largement suffisant ce que l'on voit à l'écran. Donc ben là, je dirais qu'on peut avoir un exemple. On doit avoir deux sprites. Et comme on a une, deux, trois couleurs, ah, on doit avoir un sprite en blanc et bleu et un autre sprite en rouge et blanc. Donc on n'a que deux sprites, on n'a pas une superposition. Ici, on peut avoir une superposition. On a blanc, vert, rouge. Donc ça nous demanderait un sprite avec, avec une profondeur de bits pour les couleurs en 2 bits. Et là, sachant qu'on n'a qu'un seul bit, et bien, on doit avoir un sprite en blanc et vert et un autre sprite juste en rouge, rien du tout. L'un superposé au-dessus de l'autre pour avoir ces trois couleurs. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, là, je dirais que ça fait le boulot, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ça fonctionne, c'est réactif. Après, il faut connaître les règles pour savoir ce que l'on est en train de faire. Non, il ne me laisse plus. Ah ah, à mon avis, je suis déjà en défaut à faire n'importe quoi par rapport aux règles. Ne pas confondre avec Shanghai, hein, qui utilise les mêmes tuiles, mais qui est juste un jeu pour enlever les paires sur une pyramide. Ça, c'est le vrai jeu. Le vrai jeu original utilisant ces tuiles. Donc, avec des règles assez complexes. J'avais regardé un petit peu à l'époque, c'était pas du tout évident à comprendre. Pour nous, occidentaux. Bon, on va arrêter là pour le Mahjong. Comme je disais, a l'air tout à fait correct. Quoi d'autre? Un jeu un peu plus spécifique. Je vais vous montrer là. C'est Pop and Chip. Pop and Chip, un jeu que à peu près tous les possesseurs de Super Cassette Vision avaient. Donc c'est une cartouche assez longue en hauteur parce qu'il y a un compartiment. Voilà, pour mettre des piles. Ce qui va nous permettre de sauvegarder les scores et aussi sauvegarder les niveaux que l'on aura créés avec l'éditeur de niveau. Voilà, on va essayer de regarder à quoi ça ressemble. Le jeu est un peu spécifique, mais bon.
démarre maintenant, pareil, des petits problèmes de contact. Dommage, j'ai révisé tout ça hier et ça a fonctionné à la perfection. Voilà. Tiens. Alors, touche select. Un player, voilà, on a le premier joueur. Premier joueur, deuxième joueur. Deux types de jeux, sûrement facile, difficile, et le 5 qui est l'éditeur de niveau. On va essayer le 20 d'abord. Alors j'ai joué un peu à ce jeu-là, mais bon, j'ai pas tout compris. Enter. Scène. Graphiquement, il est coloré. Je suis le petit personnage au milieu rouge. Je peux choper les fruits, voilà. Bon, ça fait tout le niveau pour. Déjà le super méchant qui arrive, je vais le cacher. Donc à droite, là, il y a un super méchant qui fait bouger tout l'écran. Allez, j'ai perdu l'option. J'ai pas d'attaque, hein. Je peux se faire dérober le sol. Bouger les échelles. Quand des. Ah voilà, je vais sauver le petit personnage qui me crève dessus. Voilà. Quand je fais tomber des fruits, après j'ai un petit personnage qui arrive, qui est un mini-moi. C'est ça qu'il faut récolter. Petit à petit, on va faire tomber tous les fruits qui vont se transformer en petits personnages. Voilà, et on peut bouger les échelles. Voilà, donc c'est intéressant quand c'est une échelle en verre, car on peut tuer les ennemis comme ça s'ils sont pris. Ils sont... Pareil, je vais essayer de choper un fruit. Voilà, on a notre petit personnage rose là, qui monte vers la maison. Donc, lui, il est chiant, mais il va redescendre après, il faut que j'arrive à le choper. Ah, lui il est chiant! Cette espèce de fantôme, je vais le retirer par ici. Je vais le venir au dernier moment. Ah, il a bougé, je cours. Hop là, je l'ai eu! Il ne sera pas passé par contre, il va pas me laisser remonter. Ah, et ça c'est quoi? Ça une salière. Bon, si je peux pas le tuer avec ça, ouais. Ouais! Alors, hop, mon petit personnage. Donc la salière, c'est un peu comme dans Burger Time. On descend le petit personnage. Ah, il y en a un à gauche qui revient. Il va arriver. Ah, bon. C'est embêtant ça, il va me choper. Voilà, c'est bon. Donc là, tac. Je vais donner un coup de pied dans la... Ah. Allez, re-salière. Tu vas voir. Hop là. Donc maintenant, je vais aller hop, par ici. Comment je vais monter à l'escalier? Je vais tomber, c'est bon. Donc on a un méchant ici. Oh oh, encore le super méchant qui est là. Je vais passer à droite si je pouvais. Qu'est-ce qu'il va faire ce méchant? Est-ce qu'il va descendre? Il va bloquer. Il faut que je bouge l'échelle. Enfin, l'autre il va remonter aussi, c'est pas cool ça. Je suis là, il faut que j'aille bouger l'échelle. Tous en bas, ça va pas être facile. Tiens, la salière. Boum. Est-ce que je peux bouger l'échelle? Putain. Bon, donne-moi. Bon, qu'ils reviennent. Je vais bouger l'autre échelle. Voilà.
passer. Non, c'est bon. Ils reconstruisent les blocs. Hop, je récupère mon petit personnage. Et on va aller choper le dernier. Ouh, j'ai jamais fini un niveau. Tac. Et on va attendre que le personnage descende, pardon. Voilà. J'ai gagné. Voilà. Bon, bah plus difficile. Ça fonctionne. C'est la première fois que je passe au deuxième niveau. On va faire un reset et regarder ce que nous propose l'éditeur de niveau que je n'ai pas essayé. Alors, on a 4 monstres, un héros, une héroïne, 6 fruits, une bombe, une salière, des échelles, 44 blocs. Ok. Voilà, je sélectionne le personnage. Je vais le placer. Ici. Très bien. On va mettre une échelle. Pum. Faut que je resélectionne à chaque fois une échelle. Bon, on s'y attendait, ça c'est un peu laborieux. Comme ce joystick fonctionne bien, c'est assez facile à manipuler. Tac. Ok. On va se mettre un bloc ici. Si je veux sélectionner un fruit, est-ce que je peux le mettre directement dans le bloc? Oui, c'est bien fichu. Ça marche bien. C'est quoi ça? C'est une bombe. Ça aussi, je pense qu'il faut le mettre dans un bloc. On désélectionne. C'est quoi ça? Bon, je sais plus ce que c'est. La salière, des monstres. Ok, si je fais end. Pour le moment, il veut pas. Il faut sûrement que je ramène des monstres. L'héroïne, ça doit être tout simplement le deuxième joueur, l'héroïne. D'accord. Et maintenant, si je fais end, il veut pas non plus. Peut-être tout consommer, tout simplement consommer tous les items avant de pouvoir lancer. Je vais le remplacer. On va mettre cette espèce de bombe. Voilà. Un bloc. Pas. Si je fais clear, ça va tout effacer. Bon, on a des monstres. Okay. Un monstre ici. Des monstres à lunettes. Monstre composé, si on regarde bien, de 3 couleurs. Orange, rouge et bleu. Donc, au moins 2 sprites. Donc, vu sa taille, il doit y avoir peut-être 4 sprites. Dernier monstre. Poum. Fait un, il veut toujours pas. Bon, donc on va rajouter des blocs. 3, 2, voilà. Encore un pour dépenser les 5 fruits. Tac. La salière. Un fruit ici, un autre ici, mais il veut pas. Ah, il doit en avoir trop sur la ligne. On doit avoir trop d'éléments sur une même ligne. Si je mets celui-là ici. Là, il va vouloir, voilà, parce que là, sur cette ligne où j'ai mis toutes les pommes et les blocs, on dépasse les capacités d'affichage du VPU, j'imagine. Il me reste encore une pomme, là. Allez, au hasard, ici, histoire de créer quelque chose. Ouais, ça démarre. Bon, ça ne va toujours pas, il faudrait tout démonter, tout créer. C'est chiant. C'est quoi cette barre? Je ne reconnais pas cette barre.
Bon, tant pis. Bon, on peut créer ces niveaux, c'est sympa. Et donc, ça sera sauvegardé avec la pile. Si je fais clear. Ou alors, peut-être avec le enter. Scène. Ok. Ouh, scène 31. Screen editor. Ouais, pourquoi il me laisse pas si je refais screen editor. Scène 31. Ok, j'édite la scène 31. D'accord. Donc, scène 31, on est d'accord. Je reviens sur end. Scène 32. Scène 32, ça pourrait. Non, je pense pas qu'en mémoire il y aurait encore une vingtaine de scènes après la 5. Non, le jeu doit être composé de 30 niveaux. Et là, j'ai créé le niveau 31. C'est plus logique. Alors, jeu numéro 1. Scène 32, parfait. Et on va sur le niveau que j'ai créé. Il est complètement débile. Voilà. Très bien. Fonctionne. Sympa. Donc, il y a un vrai potentiel dans ce jeu. Pas facile à utiliser parce que l'animation est quand même saccadée. Bon, je vais mourir. Bon. Très bien. Pop and Ship. Presque intéressant. Dire qu'il est intéressant quand même. Là, on va maintenant mettre le tout premier jeu sorti. Le jeu sorti qui s'appelle Space War. Astro War. Astro War. Tac. La boîte. Là, donc c'est un Space Invader sauce Super Cassette Vision. La cartouche est rouge, Astro War, je crois qu'il a un sous-titre, on va voir. Tac. Invader from space. C'est parti. Donc en bas, nous avons notre réserve de vaisseau, notre barrière. Hop, je vais sélectionner le vaisseau, je commence avec le méchant, ça va se décider. On a notre barrière comme dans Space Invaders aussi. D'autres choix. Tout le monde. Alors, ce méchant. On balance des trucs pas faciles à éviter. Voilà. Un peu violent. Donc on prend les mêmes et on continue, sûrement un peu plus dur. Oui, je crois qu'ils vont un peu plus vite, Space Invader. Ils accélèrent. C'est bien ça. C'est déjà là, lui. Mal finir.
Oh, allez, vite, un autre vaisseau. Tchou, tchou, tchou. Un autre vaisseau. Tchou. Bon, tant que j'ai des vaisseaux, je vais quand même aller me taper le boss après. Bon, un clone de Space Invader, Galaxian, ce qu'on veut. Ça va, c'est passable. Ça reste jouable. Deuxième jeu sorti. Je ne sais pas tous, hein, j'en ai une dizaine de jeux. Il y a 30 jeux au Japon, je crois, et 16 en Europe. Oui, j'ai oublié de dire, cette console est sortie chez nous en Europe, hein, c'est pour ça que je l'ai vu chez les cousins. Mais c'était importé par Yeno. Yeno, qui est importateur de jouets et choses diverses en provenant d'Asie. Et des voitures radio commandées, tout ce qu'on veut. Et aussi de la SC3000 de Sega, version ordinateur de la SG1000. Et la Yeno Super Cassette Vision. Alors, le deuxième jeu, c'est un peu la même chose, c'est le même moteur, ça s'appelle Astro War Battle in Galaxy. Vas-tu démarrer? Par contre, et là, c'est autre chose. Là, vraiment, dans le sens du bien. Donc, c'est un Galaxian. C'est parti. C'est très dur, mais extrêmement bien animé. Pour optimiser le code, fort belle manière. Allez, go. Là, ça avance. Ah, je suis déjà mort. C'est très très dur. Et visuellement très très agréable. Et au niveau du jeu aussi, ça bouge au quart de poil. C'est juste. Les mouvements erratiques des méchants qui ne facilitent pas les choses. Voilà. Petite démonstration du nombre de sprites affichables. Agréable à jouer, très belle animation, ça bouge bien. Avis aux animateurs de Danmaku. Très bien, celui-là vraiment j'apprécie fortement. Très bon produit, bien bien réalisé. Se passer si je remets les ballons, on voit pas grand chose. Donc en fait, ce qui s'est passé, j'ai pas changé de caméra ni pour l'un ni pour l'autre. Donc on va remettre, simplement. Je fais des vidéos d'une traite. On va remettre Astro War, mais cette fois, alors champ acquisition en acquisition. Pour moi, je recommence. Ce n'est pas la bonne caméra pour moi. Alors, jeu 1, amateur, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Hein. Petite démonstration, même si vous avez vu un peu les jeux dans les vignettes, on va les remettre en plein écran. Thank you.
accélère. Oh le salaud! Le reméchant. Quelque chose. C'est inévitable. Ah, il s'en va, non! Ah, j'ai pas réussi à le tuer. Pas juste. Bon, tant pis pour moi. Allez, donc ça recommence le deuxième niveau. Ok pour celui-là. Et donc je vais remettre la deuxième itération de ce jeu. Plus dans le Galaxian. Voilà. Hop. La musique derrière. Hop. Amateur. Hunter. Voilà, celui qui est extrêmement bien animé. Celui-là et les autres se téléportent. Très attention. Allez voir le boss. Et voilà, et le boss. Oh, là, il y a des sprites qui tournent à ce moment-là. Voilà. Très bien. Donc, Battling Galaxy, le packaging. J'ai rencontré plusieurs types de packaging, des très classiques comme ça et d'autres où, au niveau de la boîte elle-même, on a une image complète. Alors, ensuite. J'espère que j'avais mis en acquisition les autres jeux comme Pop and Chip. Sinon, tant pis. Bon, je pense que sur vos écrans, même dans les vignettes, la partie acquisition doit être assez visible. Numéro 3, le golf. Le golf. On a eu le mahjong. On a maintenant le golf. On a eu le baseball. Les classiques. On repasse en acquisition cette fois. Donc il est coloré le golf, il est pas mal à ce niveau-là. Il est coloré, il y a du détail. On va mettre un joueur. Ah, je viens de te dire un joueur. Du vent, non. Course out-in, je sais pas ce que c'est. Hop. Start. Et c'est parti.
comme je disais, c'est coloré, c'est pas mal. À ce niveau-là. Après, au niveau du jeu, bon, au niveau du fonctionnement, là, on voit à droite one wood, three, five wood, three iron, five iron, c'est le type de club, hein, 7, 9, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je sais plus, ça c'est pour faire un espèce de lob. Et le putter quand vous êtes sur la ligne finale. Donc one wood pour aller le plus haut possible. On appuie une fois, alors ça c'est les scores. On appuie une fois pour hop. Et la deuxième fois pour la puissance. Flèche pour diriger. Un premier appui sur le bouton pour que le joueur bouge son club et le deuxième appui quand on estime qu'il y aura la force insuffisante. J'appuie une fois. Pomme. Et il va tirer fort. Oh, un peu trop loin. Donc là, on va mettre la flèche dans la direction du trou. Par contre, on va se mettre celui-là pour faire un petit lob. Hop, pas trop fort. Ah, si j'arrive à l'intérieur. Donc là, on commence à utiliser le putter le plus fort possible. Hop. Pas mal. Hop là, pas trop fort. Presque bien. Oh, j'étais juste à côté. Voilà, premier trou. Les scores. Musique. Et deuxième niveau. Je sais, les colorés, pas mal, mais j'ai un meilleur souvenir du golf sur Intellivision, par exemple, que j'ai beaucoup joué, qui, même si graphiquement était moins abouti, était très sympa à jouer. Bon, le golf. Pareil là, je pense que plus ou moins au niveau d'un jeu Famicom de golf de cette époque-là, plus ou moins je veux dire. Le suivant, le numéro 6, doit être Elevator Action, je pense. C'est aussi un concept assez classique sur les consoles de l'époque. Non, c'est pas Elevator Action, même si ça y ressemble. Non, ça c'est Punch Boy, pardon. Elevator Action, ça sera le suivant. Donc cartouche orange cette fois. Pour montrer la boîte, évidemment. Voilà la boîte. Allez, on va voir. Ça démarre. Contact. Donc un jeu aussi coloré, les sprites mignons. Celui-là, j'ai pas trop compris, hein. Un joueur, start. J'ai pas vraiment réussi à y jouer dessus. Si celui-là, non. La Punch Boy. C'est pas le bon jeu en fait. C'est pas le bon jeu. Si. Si ou non. C'est que. Celui-là, il a deux écrans. Correspond pas au screen. Je pense que c'est pas le bon jeu. Et là, c'est en katakana, donc je sais pas trop traduire. Je vais demander à Google. Je vais demander à Google ce qu'il en pense. Ça, c'est Punch Boy, ça. On peut essayer de laisser la démo, peut-être qu'il y a plusieurs écrans. Là, j'ai un trou.
Coup de poing, garçon. Bah oui, je pourrais. On va avoir deux écrans de jeu. Bon, là, on voit le concept. Hein. On peut activer ses points rétractables pour attaquer les méchants. On peut bouger les boules. Les boules qui, a priori, enfin les rochers qui n'ont pas l'air de tuer les méchants. Dragon. On va essayer de tourner pour récupérer la clé. Voilà, je vais essayer de tourner la démo, voir s'il y a un deuxième écran de... où on voit cette fameuse maison. On va entrer dans la petite vignette là. Voilà. Ou alors le screen de la boîte n'a rien à voir avec le jeu, ce qui est possible aussi. C'est vrai que je l'ai jamais vu. A priori est bien punch ball. Donc là on voit pas mon personnage, mais bon c'est pas plus mal. Ah bah oui, voilà. Comme j'ai pas réussi à passer le premier niveau, j'ai pas accédé à celui-là. D'accord. Donc l'image de la boîte était bien bonne. La bonne image. Ça va être assez déplorable. Mon personnage est là, une petite boule, une espèce de Pac-Man. Donc je peux appuyer normalement là-dessus. Ah non, je peux bouger les boules. Là, si j'appuie, ça va déployer le bras télescopique. Et voilà, je suis mort déjà, il m'a renvoyé ma boule. On meurt très très vite dans ce jeu. J'y retourne, je vais activer celle-là. Voilà, boum. Et ça, on peut les activer qu'une fois. Pas cool. Ils sont où les méchants? Voilà, en bas. Hop là, sur la boule. Mort par rebond. Allez, retour. Donc, je ne vais pas bien piger, mais je suis loin du jeu. Ah, et ben voilà, je suis déjà mort. Je savais que quand les rochers deviennent jaunes, je savais que ça ferait apparaître un méchant. On est retour. Tiens, j'ai deux rochers là. Hop là. Je peux pas les tuer avec le rocher. Pas cool. J'ai réussi à en tuer un en étant en face. Et comme il tire des flammes, c'est très dur. Vraiment être en face. Ah bah ouais, à travers les murs, il me tape. Bon, je vais arrêter là parce que j'arrive vraiment pas à jouer à ce jeu. S'il est coloré, il est mignon. Punch Boy. Il y a des jeux, des fois, on comprend pas bien le concept. Donc là, on avait fait le 1, 2, 3 au niveau des jeux. Le 6, c'était Punch Boy. Il y en a une trentaine, j'en ai que quelques-uns, évidemment. Le numéro 7, cette fois, ça doit être Elevator Action. Si je ne me trompe pas, oui, Elevator Action. Donc ça aussi, c'est un concept connu des années 80, hein, repompe de jeu habituel. Elevator Fight, pas Elevator Action. On tire sur les méchants en arrivant à leur étage.
seul. Très bien. Petite clé. On attend l'ascenseur. Hop. On se met pour passer, on descend. Et il m'a tué avant que j'arrive. Et tirer. Voilà, toi je t'ai eu. Ouf, faut que je récupère la clé. Ah, je l'ai pas vu. Où j'étais meilleur tout à l'heure. On recommence. Personne là. On va sauter. On peut pas sauter, il faut attendre l'ascenseur pour passer. Voilà. On récupère la clé. Ascenseur revient. On descend. Tu as mon frère. Dis donc, il n'y a plus de coups de tonneur. On descend, on va faire une surprise. Tu vas voir. Oui, oui, oui. J'ai encore fait tuer. L'ascenseur. Toi, je t'apprends ton manche. Boum. Hop, on descend. Tiens. Une clé ici. On descend. Attends, ascenseur. On descend. Je sais pas ce qu'il faut. Si je saute pile poil sur le champ électrique aussi. Moi, il se souvient où on en était. Hop, je descends. À mon avis, lui, il attend l'ascenseur pour aller attaquer par derrière. On va sauter. Non, on ne saute pas. Re. J'ai vu une clé en haut. Sûrement que je remonte. Voilà. Hop. Oh là 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 là, le saut est difficile. Hein. Attaquer sournoisement lui. Go! Non. Après, de vouloir m'en aller, il faut prendre la clé, débloquer quelque chose pour enlever le champ électrique. Il m'a l'air d'une barrière immatérielle. Donc, elevator fight. Alors, premier jeu à licence, hein. Lupin The Third. Voilà, peut-être sur l'autre caméra. Jeu numéro 8. Hop. Lupin The Third. Je ne sais pas si c'est le premier jeu de la licence. Ça a dû... D'autres itérations ont dû sortir sur les ordinateurs, genre PC 8001 de NEC ou autre. Allez, on va le mettre. Jolie cartouche rose. Lupin, un crocodile au cul, on peut tirer, on peut sauter, pardon, donner des coups de poing, la police, celui-là on peut passer dessous, normalement, on peut faire des pièces, ou le ronda, ça marche pour moi. Donc je suis KO, Totsan arrive pour nous mettre les menottes. Beep beep beep.
Coco. Pas trop mal, il y a des petits détails partout. Bien. Le rondin, hop, la bombe c'est pour le croco si elle lui tombe dessus. Oui, un peu juste le rondin. On récupère des objets. Voilà la chauve-souris. En bas on voit la map, hein, avec les niveaux. Hop là. Différents niveaux, donc rose c'est le croco, orange ça sera le prochain niveau. Balance les rondins à la tête. Oh bah super. On recommence au début, ça c'est chiant. Ouais, c'est pas dur. Hein. Puisque là je fais pas attention. Ça me prend pas de dessous, oui. Pêche. Le rondin plus la chauve-souris en même temps, c'est pas facile. Hop. Oui. Ça passe. Hop. Mal joué. Erreur. C'est pour celui-là. Hop. On ne facilite pas la tâche aujourd'hui. Hein. Là, je peux passer dessous. Oui, il va être un peu juste du croco au cul. Hein. Par-dessus, oui. Ralentir le croco. Hop. Presque bien. Voilà. Bon, j'arrive à la fin du niveau. Voilà. Donc il est pas trop mal, pas lui. On a des trous, oui. On a des trous, des boss à éviter et des trampolines pour passer sur certaines boss. Ah, j'ai appuyé la boucle.
a mouru. Donc bien, Lupin 3, rien, sans trop de. Enfin, si, j'allais dire sans trop de fioritures, mais si, il est pas mal du tout, il y a des détails. L'animation est un petit peu saccadée, mais il reproduit assez bien la série de dessins animés. C'était le numéro 8. Le numéro 9, c'est Nebula. Donc, je vais vous montrer parce que je l'ai sous deux packagings différents. On va se mettre en proche. Voilà. Donc, comme je disais, un packaging plutôt à l'ancienne en haut et un packaging image plein écran. Un dessin plein écran, très joli. L'arrière. Par ici. Donc c'est un shoot horizontal, un petit peu spécial, je dirais même psychédélique. Mais bon. Donc l'effet de hauteur est pas mal rendu, ouais, très bonne idée avec ces différents plans là, pour simuler la hauteur, la perspective. Si j'attaquais un peu les murs. Donc ambiance pyramide futuriste, peut-être dans Stargate. J'aime bien cet effet de perspective. Suis pas mal là. Ça me touche aussi là, ensuite. Bon, on va encore recommencer au début du niveau. Chose que j'aime pas des jeux d'époque où on commence au début du niveau et pas là où on en est. Thank you.
Ça commence à être compliqué là. Bon, rien d'exceptionnel, ça fonctionne. Un peu bizarre. J'aime bien l'effet de profondeur. Nebula. Le numéro 10. C'est Willy Race. Oui, Willy Race. Le turbo. L'étiquette. Le turbo de la super cassette vision. Bon. La comparaison va s'arrêter là. La comparaison va s'arrêter là. Un petit peu de vent parasite. Bon, ben on le voit d'ailleurs, peut-être suffisamment, peut-être même pas besoin de jouer. Il fait pas grand chose à personne. Allez, on va jouer. Hop, amateur, c'est parti. Donc, ça fonctionne, l'animation est bonne, mais pas grand chose à l'écran, c'est pas grand chose. J'accélère, je fais une espèce de roue arrière. C'est le flaque d'eau peut-être. L'autre bouton pour freiner. Il faut recharger en essence. Un petit virage, puis là c'est bon. Hop, on prend l'essence. Oups, j'ai pas assez freiné. Si on touche le décor, on meurt. Hop, il y a des accidents. À droite, là il pourrait bien dire encore qu'on recharge l'essence. Les ennemis sont un peu moins violents que sur la télévision ou d'autres machines. Hop. N'essayez pas à tout prix de vous écraser. Ils n'ont pas de conduite erratique. Ah oui, si je fais une roue avant en passant la plaque d'eau, ça ne fait pas déraper. Troisième. Ouh, j'ai passé là le rocher. C'est pas de la roue. Très bien. Ça
Laisse-moi passer, j'allais chercher de l'essence. Mais bon, c'est pas très dur, hein. Voilà, Willy Race. Jeu numéro 10. Le numéro 11 sera Boulder Dash. Décidément mieux avec la caméra proche qui est pourtant de très mauvaise qualité. Voilà, Boulder Dash. Voilà. Donc là, on trouve sur multiples supports à l'époque. Alors, ça bouge, mais c'est pas... il n'est pas folichon, folichon, je trouve. J'ai vu mieux, j'ai un meilleur souvenir sur Amstrad CPC par exemple, et sur d'autres machines, je l'ai connu. Là, on a un déplacement, tu vas aller par là. Un scrolling à la tuile. Écraser là, si je bouge pas vite. Ah non, on va essayer. Go, 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 à gauche, voilà. Puis le scrolling qui, après avoir bougé, continue à bouger, c'est un peu chiant. Moyennement agréable. J'allais plus vite que le scrolling et après on rattrapait. Aïe! Erreur. Ah, ce qui me fait reprendre au début. Oui. Ah, par contre, il enlève peut-être ce que j'ai déjà ramassé. Bon, je suis pas. Non. Là, il me plaît moyennement le Boulder Dash. D'autres souvenirs un peu meilleurs sur d'autres supports. Le mineur 2049 ER Force. Un jeu auquel je jouais beaucoup à l'époque. J'avais un très bon souvenir. Et après l'avoir relancé, ça aurait dû rester dans mon souvenir. Donc, bah, un peu comme un Donkey Kong, on marchait partout. Une espèce de pas de gomme. On rappelle Donkey Kong parce qu'il faut monter tout en haut. Burger Time parce qu'il faut marcher sur toutes les plateformes. Et puis un peu de pas de gomme avec de Pac-Man avec les pas de gomme. On mélange un peu tous les genres. Aussi si on tombe de plusieurs plateformes. Parfois on s'écrase. Je vais le tuer lui tout de suite. Tac,
5. Donc là, la même chose, mais en rajoutant plus les toboggans. Toboggan, c'est super simple, si on passe dessus, on glisse. Hop! Ça va, ça se joue. Ça se joue. Forme aussi, j'ai oublié de sauter. Je vais tout refaire. Je vais à droite. Est-ce qu'il va me laisser sauter avec le méchant? Oui. Hop. Non. Faut tout refaire. J'ai sauté trop loin. Non. Hop, pas de gomme. Voilà. Ça tue tout le monde. Il n'y a plus qu'à ramasser, à marcher sur les plateformes. Oups, 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 oups. Bon, on va recommencer. Bon, il n'est pas si mal. Le mineur 2049. ER. Jeu numéro 12. Alors, jeu numéro 13, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas, si je sais ce que c'est que ce jeu. Star Speeder. Intéressant au niveau de la programmation. Proche, voilà. Star Speeder. Donc, en vue, en perspective. Donc, il est pas mal, il y a une bonne animation. Bonne animation et du 60 images secondes. S'il veut se lancer. Je peux. Hop. Donc là, c'est pas terrible, mais on peut aller plus vite. Alors, un player. Ok. Voix digitalisée, s'il vous plaît. Voilà. On a un turbo. Je sais plus. On a un turbo. C'est pas mal du tout. Ce que j'ai encore oublié de faire, c'est de le passer en acquisition. Voilà. Attends.
Donc ça va encore plus vite. Voilà. Espèce de F0. Voix digitalisée, je suis très impressionné. Ça nous est pour les faire. Gros boulot. Are you ready? A-OK. Comme dans F0, il y a un turbo. Il est là. Ok. La course. Comme dans Wipeout. Mélange de F0 et de Wipeout. 10 ans avant. Parce que c'est deux autres jeux. Il y a certaines idées de ce jeu. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Il y a du boulot là. Nice try. Are you ready? A-OK. Launch. Pas mal du tout, Star Speeder. Et des petites inscriptions faites par le propriétaire japonais. Ah, c'est les temps. 1 minute 12, 1 minute 21. Notez ces temps. Le propriétaire. Très bien. Jeu numéro 18, jeu numéro 20. Donc un jeu éducatif, là je connais même pas le nom. Je vais mettre en proche. Un jeu éducatif, comme il y en a eu pas mal sur les machines à cette époque-là. Hein. Donc là, plutôt de mathématiques. Pour apprendre à compter. Celui-là, j'ai eu du mal à le lancer. Environ BIOS. Mais bon. Oh, ça a planté. Touche plus. Donc on a des leçons. Il y a des jeux aussi. Je peux essayer les jeux, j'ai fait les leçons.
Leçon numéro 0, c'est pour apprendre à monter. On va pas tout passer en revue. Le petit personnage qui monte à droite, à chaque fois qu'il a des bonnes réponses, comme un jeu télé. Quel est le nombre d'oranges qu'on voit à l'écran? 1, 2... Ah oui, il faut appuyer sur les boutons. 1, entre. Bravo, mon petit personnage à droite va monter d'un cran. Hop. Question suivante. Combien de pommes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bien. Question suivante. Combien d'oranges? 5, on va mettre 7. Oh, est-ce qu'il va redescendre d'un cran? Ah, on peut réessayer. Bon, finalement, il y en a 5. C'est bien. Très bien. Alors, on va essayer un autre mode. Mode leçon. On va essayer un jeu. Je vais pas essayer le jeu. Qui arrive en haut, j'imagine. -59. Ah, et le temps il passe. 56. 46, on va dire 47. Elle a déjà répondu la fille? Non. Ah, on n'avait pas le temps. Je suis pas bon en calcul mental, moi, les gars. 2. Ah, il passe sur les numéros. Il faut appuyer sur Enter, j'imagine. Mais non, on n'a vraiment pas le temps de répondre. 93 personnes, ça fait 140. Je prends dur. 48, quelque chose comme ça. 138, 148. C'est vachement dur. Ce sont pas faciles leurs questions là. Enfin, dans le temps imparti, j'entends. Mais reset. Hein. Game B. Pour les gens intelligents. Ça. Encore plus dur, j'imagine. C'était les additions, ça va être peut-être des soustractions. On a eu des soustractions aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Des multiplications. Alors, si j'appuie sur... Ouais. 4, 5. Il n'arrive pas. Ah, on va voir si l'autre répond. J'ai répondu déjà. J'appuie juste sur le 2 de 25. Il me laisse pas. Ah, rien que ça. Si j'appuie, il ne se passe pas grand chose. Bon, je sais pas comment on répond. De toute façon, c'est pas facile leur question. Eh bien, les petits japonais des années 80 étaient très forts en calcul mental. Très rapide en tout cas. Bon, un jeu éducatif. Numéro 20. Numéro 22, un autre jeu à licence, Doraemon. Extrêmement connu au Japon, peut-être la série, le dessin animé télé avec le plus de saisons existant au monde. On va le mettre en proche. Doraemon, c'est pas très connu chez nous, en France, longtemps. Par exemple, en Espagne, ça passe depuis le début des années 80. Tous les jours à la télé, tous les gars en connaissent. Et au Japon, depuis les années 60, je sais plus, je crois qu'ils en sont à la 256e saison. Enfin, c'est un truc de dingue. Doraemon, c'est une institution. Au Japon. Allez, acquisition. Scrolling au pixel, très bien. C'est fluide.
sprites, non, c'est pas un vrai scrolling. J'arrive à animer les sprites qui constituent toute l'image au pixel. Allez, go. One player, go. Alors, Gigante, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, on est Nobita, on est Doraemon. On peut voler, hein. Gigante qui attaque déjà. Alors Doraemon, c'est un robot qui vient du futur pour aider à l'éducation du petit Nobita. De la trame de l'histoire. Ah bon là il va me défoncer, là je suis déjà pensé. Je peux pas passer là. Donc Gigante, c'est un des copains d'école de Nobita qui est tout le temps énervé, c'est le grand méchant. C'est le grand méchant, c'est le gros balèze qui profite des autres gamins. Ah Shizuka, c'est la copine de Nobita, qui a beaucoup d'elle. Nobita, qu'est-ce qu'il m'apporte? Hop, un petit objet. Encore lui? Non. Non, mais j'avais une porte, c'est con. Donc c'est un robot qui vient du futur pour aider à l'éducation de Nobita avant qu'il tourne mal. Et il a une poche devant, un peu comme un kangourou, une poche magique, un peu comme Sport Billy, où il sort toutes sortes d'objets incongrus, technologiques, etc. pour qui agrémentent l'épisode. Oh, il est chiant, rigolo. Donc Nobita, par contre, c'est un chat, il a une peur bleue, enfin un robot chat, il a une peur bleue des souris. Hop, lui c'est Tsugeo, un gosse de riche, qu'est-ce qu'il n'apporte rien. Un autre copain d'école, la souris m'a eu. La souris ne me tue pas, elle me fait peur. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Hop. Donc bah, un de ses objets habituels, c'est ce petit chapeau hélicoptère, qui permet à Doraemon et à tous les copains de voler, de nouvelles aventures. Oh, il est partout, Rigante. Rigante, c'est le nom espagnol du personnage, je sais pas comment il s'appelle en japonais. Donc on a des petits cœurs en haut de l'écran, en fait c'est tous les objets qu'on récupère, ça rajoute des cœurs, et quand on a récupéré tous les cœurs, on passe au niveau suivant. C'est pas très facile. Pour choper les copains qui vont donner les objets. Tsuneo. Ah, il est parti déjà. Non! Rigante. Partout. Il est partout. Bon, ici, est-ce que j'ai un copain qui va apparaître? Voilà. Shizuka. Ah. Et là, on a Dorami, un autre robot. C'est le robot fille. Ah, regardez deux, je regardais pas là. Alors, on va essayer de choper Nobita avec son objet. Et ça, normalement, ça nous donne un truc pour être invincible. Comme j'étais pas dans les temps, je l'ai pas eu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Encore Rigante. Est-ce qu'il passe la porte? Oui, il passe la porte. Ah, Shizuka, donne-moi ton objet. Hop. Hop, encore elle. Un petit cœur. Encore trois objets et je vais être bon. Alors, on va plus voler les objets. Ça ne donne pas de lui. Alors, ici, un truc sympa. À la cape, je sais pas à quoi ça sert. Je vais plus vite. Ah, sympa. Et Dorayaki. C'est son 4 heures fétiche. Hop là, Shizuka. Tac. Aïe, 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 aïe. Vite, vite. Ouf, ça c'est pas bon. Je vais me faire défoncer. Bon, il me manque qu'un seul cœur. Il me reste une vie. On va peut-être y arriver. Ah bah voilà, il y a Shizuka qui est pas. Oh non. Elle va laisser son objet ici. Ouh, si j'arrive à passer avant les souris. Oui. Et il voyage dans le temps. La machine adorait avant de voyager dans le temps pour aller à d'autres époques. Pour avoir de nouvelles aventures géniales. C'est pas facile. Il y a Dorami là-bas, avec un objet. Est-ce
qu'elle va disparaître. Elle a disparu. Machine à voyager dans le temps, hop, et nous on y retourne. Donc on va sauver tous les copains pour qu'ils retournent à notre époque. D'accord. C'est bien, le scénario est varié. Et le dernier jeu que j'ai, encore un jeu à licence, Dragon Ball, le tout premier jeu vidéo Dragon Ball, là, par contre. On va montrer la boîte. Tout premier jeu Dragon Ball. Existant sur n'importe quelle machine. On connaît bien la musique du jeu du dessin animé, pardon. Et on va voir ce que ça donne. Pas du tout maniable. Ça, je le dis déjà d'avance. Super dur, pas maniable. Malheureusement, très mal animé. Bulma. De Dragon Ball que le nom, hein, la licence, elle me file un truc, ouais, hop, vraiment pas génial. Ouais.
là. Le bâton. Amoureux. Chauve-souris, c'est les pires. Non, non, ça n'a pas bugué, il ne se passe rien durant un laps de temps. Et c'est parti. Donc on se fait attaquer par des couteaux. Passionnant. Je suis pas allé plus loin. Là, c'est à chaque partie que je faisais. Un petit peu répétitif et inintéressant. Thank you.
détruire les châteaux. Jusqu'au bout. Bon, bah maintenant. D'accord. Bon. Bon, je suis ultra vénère là. Je vais mourir dans quelques secondes. C'est vachement bien, c'est tellement pas du tout maniable. Bon, moi je suis pas mémorable, je disais, c'est pas génial du tout. Alors, pour un premier jeu Dragon Ball, c'est très nul. Voilà, Dragon Ball. Pour les collectionneurs de Dragon Ball. Voilà, on a fait le tour de mes quelques jeux sur cette machine. J'espère que ça aura été assez intéressant quand même. Voir machine méconnue, donc pour voir un peu ce qu'elle faisait. Mais bon, c'est clair qu'elle est un peu en retard par rapport à l'époque. Hein. Par rapport à l'époque où elle sort, elle est un peu en retard. Quoi. Un peu à la ramasse au niveau perf. Et pour la forme, je vais quand même sortir les manettes. Voilà. Hop. Verte, les manettes chacune à sa couleur. Les manettes sont pas mal. L'architecture de la machine est intéressante. Système basé sur les sprites. Cette sortie RGB native. Vraiment quelque chose de très très bien pensé. Gaspatchon, j'ai récupéré une petite version. Voilà, rien d'autre sur cette machine à dire pour le moment. Si, il y a un Dragon Slayer aussi que je n'ai pas. Je ne suis pas allé voir à quoi il ressemblait. Donc, possiblement, RPG sympa pour cette machine. Allez voir. Et donc, comme il y a une trentaine de jeux, il y a pas mal de jeux non plus que j'ai pas passé en revue, je les ai pas. Je vous invite à aller continuer l'aventure Super Cassette Vision de par vos propres recherches. À bientôt, merci.